H78, le nombre mystère. Donc pour réaliser cette activité, vous avez besoin d'une ardoise à la maison ou d'une feuille de papier. Et aussi d'un feutre d'ardoise ou d'un crayon à papier. Et si ça va trop vite, si je parle trop vite dans la vidéo, vous pouvez toujours appuyer sur pause pour réécouter. Comme ça, vous êtes sûr de bien comprendre. Donc, je lis la consigne. Compte les jetons. Alors, il va falloir compter les jetons et ensuite il va falloir trouver l'intrus, le piège, si vous voulez. Et ce piège-là, c'est le nombre mystère. OK? Alors, à vous de compter les jetons. Une fois que vous avez bien compté, vous écrivez sur votre ardoise ou sur votre feuille de papier à la maison ce fameux nombre mystère. Compris? Vous avez bien compté? Allez, je vous montre. Voilà les quatre possibilités. Et il y a un nombre mystère, c'est-à-dire un intrus, un piège, si vous préférez. Vous écrivez ce piège ou cet intrus sur votre ardoise. Trouve l'intrus et écris-le sur ton ardoise. Ça y est, on corrige? Eh oui, il s'agissait du nombre 54. Pourquoi? Parce que le nombre de jetons, la quantité, ça fait 45 en tout. Et tout ça, les trois là, ce sont des écritures différentes de la quantité 45, alors que là, c'est inversé, c'est 54. 5 dizaines et 4 unités, et non, ici, il n'y a pas 5 dizaines et 4 unités, mais bien l'inverse, c'est-à-dire 4 dizaines et 5 unités. Compris? Allez, nombre mystère suivant. Compte les jetons d'abord dans ta tête. Pour t'aider, tu peux les regrouper en paquets de 10. Allez, et trouve le nombre mystère ou l'intrus. Ensuite, tu l'écris sur ton ardoise. Et on peut passer à la correction. Eh oui. Alors, la quantité en tout, ça fait bien 57. Pourquoi? Parce que vous avez 5 dizaines. 10. 50. Et cette unité toute seule, isolée, éparpillée, on ne peut pas les faire rentrer dans une boîte de 10, parce qu'il n'y en a que 7. Donc 57, ça s'écrit 50 plus 7, ça s'écrit 57 comme ça, le nombre, et ça s'écrit 7 unités et 5 dizaines, ou 5 dizaines et 7 unités, mais pas ici, pas ça, pas le piège, pas l'intrus, parce que là, on a 7 unités et 4 dizaines, ça ne fait pas 57, mais bien 47. Donc c'était ça le piège, là. Allez, troisième et dernier intrus à trouver. D'abord, vous comptez les jetons dans votre tête. Vous pouvez les regrouper en paquets de 10, ça va plus vite. Ensuite, on passe au nombre mystère, à l'intrus à trouver. Allez, je vous laisse écrire sur votre ardoise, je vous laisse le temps d'écrire l'intrus sur votre ardoise ou sur votre feuille de papier à la maison. Ça y est, on corrige? Eh oui, l'intrus c'était 5 dizaines et 7 unités. 5 dizaines et 7 unités, ça fait 57. Est-ce qu'on a 57 ici? Pourtant, on a 5 dizaines. 10, 20, 30, 40, 50. Oui, mais on n'a pas 7 unités isolées, mais bien 8. Donc c'était 58 la quantité et non 57. Donc c'était 5 dizaines et 7 unités, l'intrus, le nombre mystère. Voilà. Bonne journée.